la matinale Kaolin. Chaque dimanche matin, 9h30, 12h, avec Patricia et Julien. Avec Patricia et Julien. Kaolin FM aime les nouveaux talents. Et oui, Kaolin aime les nouveaux talents et on vous le prouve ce matin durant une heure la matinale part en live et reçoit le groupe composé de deux garçons et une fille. On commence par la présentation de l'unique fille du groupe. Et là en bas, parce qu'il paraît d'après ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Pas du tout. C'est un minimum. Bonjour Mylène. Elle prend le minimum syndical. Oui, la pauvre. Bonjour Mylène. Bonjour. Non mais elle a pas le droit de parler. Et puis deux garçons chantent et jouent de la guitare. Bonjour Jérémy et bonjour Sébastien. Non, bonjour à tous. S'appelle Mylène. Il s'appelle, non, de toute façon, il n'y a pas besoin de les présenter, ils vont être comme ça pendant une heure. Pas vrai, c'est pas vrai. Merci à vous d'avoir répondu présent ce matin. Vous êtes avec nous pendant une heure. Et chers auditeurs, à tout moment, venez réagir à l'émission. Vous pouvez vous aussi poser vos questions à un seul numéro, 05 55 75 15 15. L'India s'occupe du standard. Et alors, notre page Facebook. Ou alors aussi notre page Facebook, Kaolin Matinale Dimanche. Bonjour les trois cafés gourmands. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter un par un? Le plus jeune. Vas-y, le plus jeune, vas-y Sébastien. Je suis le dernier arrivé dans le groupe. Celui qui a moins de cheveux. Vas-y. Voilà, c'est ça. Je suis arrivé 2 ans après. Non, je sais pas, ça fait 7 ans qu'on joue ensemble, je crois. Enfin, que moi je joue avec vous. Ouais, nous ça fait 10 ans. Voilà. 10 ans vous, vous deux? Ouais. Vas-y, Mylène. Non, toi. Non, moi d'abord. Bonjour, non, ouais, je m'appelle Mylène. Bonjour, je m'appelle Mylène. Ça fait donc, 10 ans que je joue avec Jérémy. Non, pour ça se passe bien, je l'adore. Pour faire simple, en fait, Trois Cafés Gourmands, c'est arrivé un petit peu après. On a commencé avec Jérémy, on était tout jeune, on avait... 14 ans, moi j'avais 14 ans. 14 ans, et on a commencé à chanter au foyer rural de Concèze, en fait, pour faire les entr'actes, ce genre de choses. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à nous demander pour faire des animations sur les marchés de producteurs de pays. Et puis, ça nous arrivait de faire... Avec toi, non, mais moi j'ai déjà fait des mariages, on a déjà fait... Miss France. On a fait Miss France, non, ouais. Miss Limousin, Miss Limousin. On a chanté à l'élection de Miss Limousin. Miss Limousin, c'était oula, il y a quelques années maintenant. Ouais. Et on aimerait faire la fête du bouc à Rocamadour. Voilà, c'est parce que c'est, voilà, cet été, on a eu une aperçue à, c'était à Userche. Userche, c'était sympathique. On a fait une petite animation, donc c'était pour les vieilles voitures. Et on était un petit peu à côté du barbecue, on a senti un peu la merguez pendant 2 heures. Au-dessus des bidons d'huile, c'est super. C'était on aime sympathique. Ça, on veut des trucs comme mais, ça. Mais les gens étaient contents, donc c'était sympa, quoi. Franchement, ça sera à refaire, il n'y a pas de souci. Voilà. T'as une voix à la radio, toi. Une voix de quoi? Non, ah, ça va. Non. Non. Ah, je me suis couché un peu tard hier soir, c'est vrai, j'avoue. Je peux le dire, j'avoue. Mais et bon. Donc voilà, donc on a pris le parti pris de ne faire que de l'acoustique, c'est-à-dire d'être avec des guitares et uniquement des voix. Voilà, on est uniquement en acoustique et on reprend des standards français et quelques petits. Mylène, après, s'essaye en anglais parce que nous on a essayé, ça n'a pas marché. Donc on a dit d'un commun accord, nous on va se cantonner sur le français. Et puis déjà que même le français on a dit mal des fois. J'ai mal articulé, voilà. Certains jours. Et d'où vient le nom Les Trois Cafés Gourmands? Oh, de Facebook, je crois. Non, c'est on a un peu lutté pour ça pour on trouver. On voulait s'appeler Trois Petits Points. Voilà, on voulait s'appeler Trois Petits Points et puis on a tapé sur internet Trois Petits Points et on s'est rendu compte qu'il y avait un groupe qui un était sacré groupe, ouais. Qui avait la page où il y avait les trucs qui sortaient de partout, la page ça internet, clignotait, ça clignotait de beau. Tous les sens, c'était le truc énorme, donc on a dit bon ben on va trouver autre chose. Chose. Et puis c'est plus, mon oncle. Ouais, c'est... On était chez son oncle, bon, on buvait l'apéro, pénard. Normal. Et puis ouais, nous est venu gourmand, café. Et puis vu qu'on était trois, on voulait faire un petit clin d'œil à voilà, trois membres du groupe, Trois Cafés Gourmands. Et ça allait bien, c'était sucré salé. Je pense que salé, c'est ouais. Sucré, pardon, sucré. Sucré, que sucré. Avec beaucoup de tartiflette sur le voilà, côté. Coloré. Donc ça collait pas mal avec nous, je pense. C'était assez. Ça décrivait assez bien, je pense. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique? Rien.
Sébastien, c'est de nous voir chanter, clairement, c'est ça. Deux stars sur scène. Il a dit, vu comment ils sont nuls, je peux faire aussi bien qu'eux, donc il a dit, je vais aller chanter. Non, moi je chante depuis petite, Jérémy jouait de la guitare et on est copains, en fait, on est copains d'enfance. Depuis petite, tu jouais de la guitare toi aussi. Depuis petit. Et, non, Jérémy, ouais, jouait de la guitare, sa mère lui avait appris à jouer de la guitare, et puis moi je chantais, et un jour on s'est dit, ben, on va commencer à mixer les deux, et puis ça a fonctionné, et après Zouzou s'est mis à la guitare et nous a rejoint, voilà. Zouzou, c'est mignon. C'est la première fois. Oui, sinon c'est plutôt des noms d'oiseaux, ouais. On a plutôt l'habitude de ça. Donc en fait, votre rencontre, c'est une histoire d'amitié, quoi. Ah oui. Exactement. Ah, oui. Totalement. C'est moi, Mylène, je la connais depuis que je suis tout petit. On dansait la valse à Concèze quand on était petit. Et ce matin à Kaolin aussi. Et ce matin à Kaolin, parce que voilà. Ouais, d'ailleurs, tu maîtrises bien la valse, hein. Ah, ben, avec Mylène, depuis qu'on a 7-8 ans. Donc voilà, on est tous passés par le folklore. Il y a d'autres choses que tu maîtrises moins bien, mais la valse. Ah, la valse, c'est ça. Il n'y a pas de problème, Je peux faire valser. Le samedi soir, vaut mieux passer avec toi la valse que le reste de la soirée. Exactement. C'est que la valse. Après, je réponds plus de moi, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. On va commencer à écouter un de vos titres. Allez. Vous avez choisi déjà? Ouais. Oui. Allez, on vous écoute. Blanche, fraîche, le matin, où elle est douce, tendre, où elle est sereine, où elle est excellente. Oh, elle dit ce soir. Allez, on va danser. Ce soir au matin couché, elle est désespérante. Oh, elle dit toujours. Bonjour. Comme ça, où elle dit toujours. Au revoir. Comme ça, où elle dit toujours. Je sais sa sœur. Elle est fatigante. Voilà de la suite dans les idées. Soudain elle te dit bonsoir, à demain. Mais quand elle danse, belle franche, une reine. Elle est pour moi, tout ça pour moi. Un ange qui tourne autour de moi. Et pourtant elle dit toujours bonjour. Au revoir. Comme ça où elle dit toujours. Je sais sa sœur. Elle est fatigante. Oh, elle est pour moi fatigante. Oh, elle est pour moi fatigante. Oh, elle est pour moi. Elle est fatigante. Et pourtant elle dit toujours bonjour. Comme ça où elle dit toujours au revoir. Comme ça où elle dit toujours je sais sa sœur. Elle est fatigante. Oh, elle est pour moi fatigante. Attends, intelligente, intéressante et attirante, négligente, excitante, désespérante et attirante, pas très galante, souriante, affligeante, rassurante, désobligeante, énervante, sur la bonne tempe, bien méchante, surprenante, menaçante, militante, parfois charmante, importante, déchangeante, imposante, suffisante. Tu prends ton champ et t'essuies, c'est pas très compliqué, les hommes sont capables de faire ça, non? Fatigante. S'il te plaît. J'ai même pas d'âge de te demander, s'il te plaît, tu viens avec moi, c'est tout. Attends, c'est moi qui suis fatigante, là? Oh, tu me fatigues. La matinale week-end, avec Patricia et Julien. Kaolin FM. M et les nouveaux talents. Et on reçoit ce matin le groupe 3 Café Gourmand qui nous viennent de la Corrèze. Oui, Corrèze. Concèze. Bonjour à tous. Concèze. On est passé en international depuis qu'on a passé la frontière avec la Haute-Vienne. On a passé le département là, donc là c'est. Ah, mais vous êtes toujours dans la Haute-Vienne, enfin dans le Limousin, je veux dire. Pour nous, c'est dans le Limousin. Oui, mais c'est en département. Voilà, on est dans la même région. Chez vous, les vaches, elles n'ont pas la même couleur, je sais pas. Elles doivent manger, sucer des cailloux, manger des cailloux. Voilà, si on revendique l'indépendantisme corrézien, donc c'est pour ça, on est obligé. À part chanter comique, ça vous intéresserait pas? Oh non. Raconter des blagues comme ça. C'est déjà fait, ça, déjà. En soirée, ils sont assez comiques, en fait. Mais vous nous avez mis au café, là, ce matin. On a trop de café. Il suffit d'aller un soir en animation à Concèze et vous comprendrez. Ça nous arrive. On essaye. Non, mais si, c'est vrai qu'à Pâques, on essaye de faire quelques petites blagues pour détendre le public. Notamment cette année, on était pas mal quand même. On a essayé. On avait amené la culotte. Ce n'était pas ma culotte. Je tiens à le dire. Ce n'était pas ma culotte. C'est vrai que c'était très très bien passé. Et le public réagit bien, donc c'est vrai que ça fait plaisir quand c'est comme ça.
Vous êtes avec nous jusqu'à 11h. Vos questions, vos chers auditeurs, vos réactions, 05 55 75 15 15. On va faire une petite pause avec la chronique de Lindia. La matinale week-end avec Patricia et Julien. Kaol FM. M et le nouveau talent. Et ce dimanche, la matinale part en live. Nous recevons le groupe 3 Cafés Gourmands qui nous viennent de la Corrèze. Avec ouais, nous, Jérémy, si, Mylène et Sébastien qui sont avec nous jusqu'à 11h. On va continuer. Oui. Hein. Et par contre, c'était bizarre, je m'entends bizarre, mais c'est pas grave. C'est-à-dire bah, je sais pas, ça fait bizarre. On l'entend pas, on la voit pas. Elle entend trois voix bizarres surtout à côté d'elle, c'est pour ça qu'elle comprend pas. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on a des invités, alors ça nous fait bizarre aussi. Schnorr. Ouais, spécial casse dédié du Schnorr, parce qu'on écoute à Paris, à Lille, à Tourcoing. Donc spécial dédicace aux Parisiens, à tout le monde, tout seul. Et spécialement dédicace à Dédé dans son camion, ils se reconnaîtront. Vous écoutez. Merci Dédé, salut et bonne route. Ouais, un gros bisou à Dédé. Je crois que la l'heure va pas être assez courte. Va être pourquoi ça finit à quelle heure ça finit, nous on part pas. On a rien à faire, nous après. Hein. Le train est à 6h30 ce soir. Alors, sachez que d'ailleurs, chers auditeurs, vous pouvez nous appeler au 05 55 75 15 15 si vous avez un petit message à passer à nos trois cafés gourmands ou si vous avez des questions à leur poser éventuellement. Les mamans, vous n'appelez pas, voilà. S'il vous plaît. La famille, abstenez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Merci. Non, sur les moi j'aimerais bien que maman à Jérémy nous appelle. Non, ma grand-mère, oui, je veux bien. Mamie Ninja. Ouais. Faites appeler Mamie Ninja. Si, Mamie Ninja appelle, ouais, je veux bien. Ouais. Pourquoi ? Vous avez peur des dossiers ? Non, du tout. Surtout Mamie Ninja. Mamie Ninja, c'est notre plus grande fan, mais le problème, c'est qu'elle chante avec nous aussi. Donc, c'est pour ça, des fois, c'est un petit peu déroutant, mais c'est quand même des grands moments. Un grand moment, notamment au marché de Pays à Saint-Cyr, où elle était venue chanter avec nous. Et franchement, ça a été magique, quoi. Vraiment magique comme moment. Donc, si elle nous appelle, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, on va parler un petit peu niveau musique. Comment choisissez-vous vos chansons, en fait ? Moi, j'ai jamais le droit de choisir. Que les choses soient claires. Tout ce que j'ai envie de faire, ils ne veulent jamais les faire parce que de toute façon, ils ne sont pas suffisamment doués pour faire ce que j'ai envie qu'on fasse. Voilà. Allez, ça c'est dit. Non, mais nous, on est old school, on prend du vieux truc. Si, on prend du rock. Ouais, Edith Piaf. Ouais. Ça, c'est du rock. Ça, c'est du rock. Comment on choisit ? En fait, on essaye de faire aussi un petit peu en fonction de nos goûts et beaucoup en fonction de ce que les gens ont plus ou moins envie d'entendre. On se rend compte sur les animations ce qui fonctionne avec les gens. Donc, on essaye de faire aussi en fonction de ça. Il y a pas mal de choses qu'on a enlevées parce que. On avait des goûts bizarres au départ. Il y a des choses qui me plaisaient un peu moins aussi. Il faut qu'on se fasse aussi plaisir en le faisant. Donc, on a essayé de faire un répertoire qui est un petit peu plus sympa avec souvent des chansons un peu plus à texte, ce genre de choses en fait. Voilà. Un truc qui passe bien. Parmi toutes vos chansons, pour chacun de vous, la préférée ? Quand Mylène ne chante pas. Ils sont jaloux. Casser la voix ? Casser la voix, et ça, à trois, on va à dire, 3. Parce que le problème, c'est que on a nos chansons qu'on chante. Après, Seb fait quelques compos, moi aussi, et on va dire quand on chante à trois, il y a vraiment, il y a casser la voix qui est vraiment sympathique. Après, c'est sûr, quand on chante nos compositions, il y a quand même quelque chose qui fait que ça fait plaisir, quoi, de chanter des choses qui nous tiennent à cœur, quoi, qu'on a mis sur le papier. Ouais. Voilà, qu'on a mis sur le papier, et voilà. Mais après, c'est vrai que je sais pas. Mais je pense que vous allez vous endormir en entendant Jérémy parler. On s'en fiche. Bon, voilà, bref, chacun a ses meilleures chansons. Moi, c'est. Je pense casser la voix pour nous trois. Après, Mylène, qu'est-ce que tu veux dire Everybody Hurts. Ouais, franchement, les chansons que je chante toute seule, ça me va bien. Non, de là à dire que j'ai une préférée, non. Ça dépend des moments, en fait. Voilà. Ouais. Non, j'ai pas de préféré. On pleure pas souvent quand même. Enfin, quand il y en a deux qui pleurent, il y a toujours un qui rigole derrière. Donc. Ça qui est bien. Et avez-vous pensé à écrire vos propres chansons ? Oui, t'as pas dû nous écouter. Si, mais justement. Ça fait 10 minutes. Oui. Mais pourquoi vous. Il y en a une, on va en faire une. Elle va y être, okay. Hein, y a pas de problème. Même on peut se l'attaquer maintenant si vous voulez. Ah bah d'accord. Et qui s'occupe des textes ?
Bah, y a Seb qui écrit pas mal, il aime beaucoup Baudelaire et tout ça, il aime beaucoup la littérature, donc ça paraît pas. Ça paraît pas. Vous allez voir, dans le texte, c'est du Baudelaire. C'est du Baudelaire. Merci Jérémy pour cette intervention. Non, mais c'est. Sinon, ouais, Seb écrit pas mal, moi j'en ai écrit une ou deux. Mylène elle écrit, mais elle a pas de guitare. Alors Mylène aussi écrit un peu. Oui, moi j'écris, mais pas des chansons. Voilà, elle écrit plutôt du théâtre, parce que c'est son futur métier, je pense. Théâtrice. Oui, c'est vrai qu'il faut le dire, Mylène, tu fais les cours Florent. Oui, exactement. Comment elle se la pète, oh là là. Oui, d'ailleurs, j'envoie un gros bisou à nos Parisiens qui nous écoutent, notamment les Peter et les autres. J'ai envie, laisse-moi faire ce que j'ai. Les Corésiens aussi, je les embrasse. Tu fais que parler, là, ça suffit maintenant. Voilà. Donc, en fait, il n'y a qu'une chanson pour l'instant. Non, il y en a d'autres, mais on ne va pas toutes les faire aujourd'hui. Il y en a des qui sont tristes, enfin, ça part pas en live. Il y a quoi de sortir un CD ou... De nos chansons composition, Faudrait le travail. Ouais, c'est à travailler. Il y aura t'as des pistes. Peut-être. Ah. Ouais, ça peut se travailler. Il n'y a, ouais, a pas que des joyeuses. Hein. Ouais, mais c'est ce qu'il faut. Il y a de tout. Bah, il faut de tout. On a un auditeur en ligne. Un auditeur, vous avez dit pas de famille tout à l'heure. Voilà. Malheureusement pour vous, nous avons quelqu'un de la famille de Jérémy. Ouais. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oula. Allô. Oui, bonjour. Qui ça peut bien être? À deviner. Ah, je crois savoir. C'est ton papa, ton père. Ah, je crois savoir. Ah oui, c'est je crois. Ton père. Salut Polo. Yeah. Polo. Ça va, papa? Ça va, très bien, vous aussi, j'entends que tout va bien. Ouais, oui, on passe un bon moment. Y a pas de gnoll. Je souffre, monsieur Poli. Souffre. Très bien, continuez à souffrir comme ça, y a pas de souci. Polo, t'as remarqué que je suis encore la plus mignonne, hein? Oui, je sais, oui, je sais. Ouais. Merci de ton soutien, Polo. Tu as toujours été la plus mignonne, même. Ouais, c'est ça parce que c'est une fille. Mais voilà. Bon, c'est bien. Bon, t'entends bien dans ton poste? Très bien, on est un peu plus difficile à capter vers chez nous, mais là. Oui. D'accord. J'ai changé de secteur, donc j'entends bien. Ah, ça va. T'as changé de département, t'as traversé la route. Voilà, c'est ça. Mais c'est bien, ça. On entend mieux à Saint-Cyr-les-Champagnes. Voilà. C'est ça. Bon, ça fait plaisir que t'appelles. C'est très bien. Il y a des gens qui peuvent pas vous capter, donc je me fais leur écho en leur disant que c'est très bien et continuez comme ça. Mais c'est gentil. Merci. Sachez qu'ils peuvent nous écouter sur Internet, s'ils ont Internet. Oui, mais pas toujours facilement aussi, trouver Internet. Ouais, c'est des gens qui ont peut-être pas toujours... Si, Internet, il est en Corrèze, il n'y a pas de souci. Si. Ouais, mais après, ça dépend du débit. C'est vrai que par chez nous, c'était pas super bien desservi, donc c'est vrai que je peux comprendre. Que d'ailleurs, on passe un message. D'ailleurs, on passe un message donc à la municipalité de Cossèze pour faire enfin arriver la fibre optique. Voilà. Et puis que ça se dépêche. De toute façon, on connaît le maire, on connaît du monde. Ça va barder. Vous avez le bonjour des restaurateurs de Cossèze. Très bien. Qui ont du mal. Qui ont du mal dans le restaurant à vous capter. Oh, voilà. Mais ils ont toujours eu du mal, de toute façon. Charles et Sylvie, on leur passe un petit coucou aussi. Et la chèvre. Et leur chèvre. Ah oui, leur chèvre, magnifique. Elle est daille, je crois. Je voudrais juste passer un petit message aux animateurs. Est-ce que vous croyez que vous allez les faire chanter ce matin? Oui, on va y arriver. Bon, très bien. Nous, on manque que ça, hein, mais après, voilà, on nous pose des questions. Tant qu'on vous tient au téléphone, une petite anecdote sur ce groupe. Ah là, rigolote. Il y en a du dossier. Je suis pas sûr que. Polo, attention à ce que tu dis. Non, juste peut-être un tout petit peu d'historique. C'est ce groupe. Je sais pas si vous l'ont raconté ce matin parce que j'ai pas pu capter. Si, vous. On a fait un peu. Ouais. C'est un groupe qui est très vieux en fait. Voilà. Même s'ils sont tous jeunes, il est très vieux. Ils se sont rencontrés sur les planches. À la Concèze. À des moments où ils ne pensaient sûrement pas aujourd'hui passer à la radio. Ah, pas du tout, ouais. Ça c'est clair. Ouais. On était jeunes et insouciants à l'époque. Voilà, c'est bien. Mais c'est bien. Voilà. La route est bien tracée, puis on leur souhaite de continuer, et puis surtout qu'ils le fassent avec le plus grand plaisir. Oui. Ah ouais, c'est gentil. Toujours. Merci papa, gros bisous. Bisous. Merci à vous. Bisous à vous tous, et puis bisous à tous ceux qui nous écoutent. Oui. Merci, au revoir. Et on attend toujours vos questions 05 55 75 15 15 à tout moment. Vous pouvez intervenir aussi en direct. Bien sûr. On va continuer alors, on va faire votre compo. Ouais. Hein? Allez, on y va? C'est parti. Une petite valse pour faire danser les gens.
Regardez bien en face, invitez votre amant. Retournez-vous derrière s'il n'y a personne. Regardez en l'air, attendez qu'on vous sonne. Prenez la par la main, essayez un sourire, un petit coup taquin. Mais je dois vous dire, je sais pas les fesses, ce n'est pas le moment pour allumer les braises. Regardez tendrement. Les petits pas de valse sont réjouissants. Ne restez pas sur place, venez guincher les grands. Pour bien la danser, comptez jusqu'à 3. Attention à vos pieds, regardez tout droit. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prenez-la par la taille, mettez-la sur la piste. Ne faites pas de détails, dansez comme un artiste. Glissez-lui dans l'oreille que vous la trouvez belle. Que parmi les abeilles, votre reine c'est elle. Que dans l'intimité, vous l'embrasseriez bien. Qu'elle doit pas s'inquiéter, que vous faites ça bien. Ne lui dites jamais que vous êtes un cador. Que les autres en demandent, qu'elle dise tout. Encore ! Les petits pas de valse sont réjouissants. Ne restez pas sur place, venez guincher les grands. Pour bien la danser, comptez jusqu'à 3. Attention à vos pieds, regardez tout droit. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ne tardez pas au bar si vous voulez draguer. Elle sera pas là ce soir, elle préfère danser. Emmenez la tournée, allez les girouettes. Et si vous êtes au top, elle fera des galipettes. À la fin de la valse, embrassez la cavalière. Retrouvez votre place, je crois que c'est juste derrière. Un dernier clin d'œil, glissez entre deux têtes. Un signe du bras et continuez la fête. Les petits pas de valse sont réjouissants. Ne restez pas sur place, venez guincher les grands. Pour bien la danser, comptez jusqu'à 3. Attention à vos pieds, regardez tout droit. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, les girouettes. Faites-les tourner, faites-leur tourner la tête. Allez-y, monsieur, faites bien chez madame. Allez-y, les jeunes, cherchez votre femme. Je voudrais vous donner un dernier conseil. Si parmi des milliers, vous avez votre abeille, arrêtez de danser, stoppez tout maintenant. Coincez-lui les pieds, embrassez tendrement. Olé! La matinale week-end avec Patricia et Julien. Kaol FM. M et les nouveaux talents. Et avec Jérémy, Mylène et Sébastien qui font partie du groupe 3 Cafés Gourmands qui sont avec nous jusqu'à 11h en version acoustique. Oui. C'est ça. Bonjour à tous, tous ceux qui nous rejoignent. On va faire notre petite chanson. Ouais. Allez. On fait du, c'est du Joe Dicin, c'est un nouveau. Le rocker. Ouais, c'est un nouveau rocker. Ouais, parce qu'on est des rockers. Il vient des States. Voilà. Et, c'est un petit jeune qui monte là, Joe Dicin. C'est le dernier de toute une lignée, ils sont quatre frères et c'est Joe le petit dernier. Voilà, c'est pas mal, hein, ça bouge, hein, c'est sympa. Allez, on est parti. Allez. Je l'ai vue près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit: c'est drôle les dents arrosées qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai 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 zai. Lélo lélo lai. Zai 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 zai. Lélo lélo lai. Zai 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 zai. Lélo lélo lai. Zai 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 zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai 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 zai. Lélo lélo lai. Zai 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 zai. Lélo lélo lai. Zai 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 zai. Lélo lélo lai. Zai 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 zai. Wow. 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 Wow.
m'a dit, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai 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 zai. Lélo lélo lai. Zai 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 zai. Lélo lélo lai. Zai 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 zai. Lélo lélo lai. Zai 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 zai. Bravo. Merci. Merci. Ça chante pas trop dans le studio quand même. Si, on a eu quelques sifflets sur la colline quand même. Pourtant, on a deux groupies sur le canapé là. Elles sont là, elles sont sages, elles sont sages. Bouge pas, regarde. Sages comme des images. Eh oui. La scène, est-ce que vous aimez cela, la scène? On n'a que fait ça, en fait. On n'a jamais rien fait d'autre. Ouais. Après, oui, oui, pas oui. Des grandes scènes. Non, voilà, la dernière scène qu'on a fait où c'était ouais, vraiment, on va dire, scène, concert, c'était à Obja. Donc c'était cet été. Où d'ailleurs, c'était... on embrasse le maire d'Obja. Ouais, on fait un coucou, j'espère qu'il nous écoute, le maire d'Obja, qui a eu la gentillesse de nous accepter donc, pour animer donc, une petite soirée. C'était un mercredi soir, je crois, c'est ça? C'est une semaine avant Johnny. C'était voilà. Pas pour la fête de la musique? Non, c'était, non, je croyais. C'était un mercredi soir pour animer donc, une petite soirée. Je sais pas, c'est des festivités qu'ils font tout l'été. Bah, ils font venir des gens et c'est les gens chantent. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Tout simplement. Des concerts en fait. Voilà, donc et ça s'est très bien passé, c'était très ouais, sympa. On a fait une heure et demie de concert où les gens étaient, enfin nous connaissaient pas du tout, donc du coup agréablement surpris les gens et on a eu des très très bons retours. Des très bons. Et nous on a pour pris une fois t'as été bon. On a pris un pied d'enfer. Non, on a été on bon. On a été bon, oui. Ouais. Allez. On a pris un pied d'enfer, ouais. Voilà. C'est clair. Et de nouvelles dates à venir? Oui, en fin janvier. Fin janvier, on en a donc. Une soirée mic petit salé à la salle des fêtes de Concèze. Et oui, on fait de tout, il faut faire de tout. Donc bah, justement, les aubergistes, on en parlait tout à l'heure, c'est eux qui organisent ça. Donc à la salle des fêtes... Il jappe, lui. Il aime japper. Oh là là, mon Dieu, sa grand-mère. Qu'est-ce qui... C'est vrai que dis donc, t'es vachement bavard. À l'école, j'ai toujours été bon quand il fallait aller au tableau, tout ça. Et même, je reprenais mes camarades, c'était marrant. Non mais Jérémy, c'est bon, stop. Tu m'arrêtes. Bon, ben coupez-moi le micro. Julien, coupe le micro. C'est fait. Non, je rigole. Nous avons des messages, Lindia, un message sur Facebook. Oui, alors je dis bonjour à toute l'équipe de Kaolin et bonjour aux invités. Très jolie voix, la Miss. Merci beaucoup. C'est Cédric. Oui, c'est Cédric. Et nous avons au Cédric, standard... je suis célibataire, tu veux. Ah, en fait, Cédric, s'il faut, il te connaît déjà. Non, mais il faut savoir que Jules a une très belle chanson aussi sur. Non, c'est pas vrai. Non. Ça, c'est entre nous, hors antenne. Nous avons Marion aussi pour une question au standard. Bonjour, Marion. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Marion de Toulouse. De Toulouse. Wow. Yes. Chéchotte, ça va? Ça va. Oui, très bien, très bien. Bon, on vous écoute hein, d'ici aussi, on capte par Internet. Super. Ah, c'est cool. Et j'avais une petite question au groupe. Quand est-ce que se fait la programmation au Zénith de Toulouse? T'en parles au maire de Toulouse et puis on vient, il n'y a pas de souci. Parce que je pense que si on réunit toute la Corrèze et les Parisiens... Non, mais on remplit tout. On remplit tout. Ah, oui. Sans problème. Hein. On peut même aller jusqu'au Stade de France. Ah oui, France. Je crois bien aussi. Johnny a qu'à bien se tenir. En tout cas, c'est gentil de nous appeler, Marion. Un gros bisou à tous. Oui. On vous écoute d'ici aussi. Voilà. Merci. À très bientôt. Ciao. Merci Marion. Bonne journée, Marion. Merci. Nous avons aussi Sylvie au standard. Bonjour Sylvie. Bonjour. Ça, c'est pour moi. Oui. Vous c'est nous appelez vous trois. C'est pour vous trois. Salut Sylvie. Ça va? Oui et toi? Oui, ça va. Ça passe à Concèze? Eh bien, tu vois, ça passe dur, mais ça passe quand même. C'est bien. Bon, ouais, on vous a entendu dans la voiture. Déjà, on était à Pompadour et là maintenant, on vous entend, mais pas facilement. Mais bon, on arrive quand même à capter un petit peu. Bon, ça va. Donc vous allez bien? Oui, ouais, ça va. Oui. On va faire durer l'émission 2h30. C'est vrai? Ah ben oui, mais vous chantez pas? Quand c'est que vous allez chanter? Si, on chante. Si, on chante. On a fait deux d'affilée, là, attention. Ah bon, vous allez y aller? Ouais. Bon, je voulais vous faire des gros bisous et vous souhaiter bon courage à tous les trois. Merci beaucoup. Merci Sylvie. Salut. Gros bisous. Bisous. À bientôt, bisous. Vos messages, vos réactions, 05 55 75 15 15, on attend vos appels. Les trois cafés gourmands, Jérémy, Emilienne et Sébastien vous attendent pour vos questions. Oui. Et là, on va enchaîner avec une chanson. Petite chanson. On fait laquelle? Je sais pas. Mistral gagnant, ça serait pas mal. Oui, Renaud. Un petit Mistral gagnant. Ah, donc, tu manges de ton casque.
à m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort, qui reviendra, serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir les blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car un sac et minto, caramel à un franc. Et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les vrais roux doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barre, je n'ai que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envole le cri des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants. C'était un peu chouette. Merci, 3 cafés gourmands. Je vous rappelle qu'ils sont avec nous jusqu'à 11h, voire plus. Oui, je pense qu'exceptionnellement, on va les garder jusqu'à midi. Ouais, ah bah alors, je finis en slip alors. 05 55 75 15 15, pour poser vos questions. On revient juste après l'agenda et la pub. À tout de suite. Salut. À tout de suite. Kaolin FM. La matinale week-end avec Patricia et Julien. Kaolin FM. M et les nouveaux talents. Et on part en live ce matin jusqu'à, non pas 11h comme prévu, mais jusqu'à midi. Ouais, ouais. Ils sont contents, nous aussi d'ailleurs. À midi en slip. Les 3 cafés gourmands sont avec nous donc jusqu'à midi. 05 55 75 15 15. Si vous voulez poser une question au... On vous appelle artiste, chanteur, comment? Oh, rien. Non, artiste, non, on nous appelle pas artiste, en principe. Artiste. Ouais. Et des Facebook, Facebook, il y a un message aussi de dire. Alors, Julie, gros bisous aux 3 cafés gourmands. Ah, yes. Vous êtes géniaux, continuez comme ça. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Écoutez, elle a dû faire écoutez. C'est Julie de Paris. Oui, oui. De Paris. Ah oui. Vous êtes connu en fait partout en France en fait. Oui. Exactement. Et on s'est exporté partout. Oui, oui, totalement. Non, non, mais on a du monde et des copains et copines un peu partout. C'est vrai qu'à chaque fois. Bon, j'arrête de parler à vous maintenant. On est deux à vivre sur Paris, donc. Aussi, ça fait des nouveaux copains. Voilà. 05 55 75 15 15, deux personnes au standard. Nous avons une mamie. Oula. De Jérémy. Oh. Yes. Mais Ninja. Yes. Laquelle? C'est Ninja. Laquelle? Allô? Allô? Ah, c'est Mamie Polly. C'est Mamie Polly. Oui. C'est la maman de mon papa qui a appelé tout à l'heure. Voilà. Ils sont tous dans la même pièce. Oui. Ça va, mémé? Ça va bien. Est-ce que le poulet est mis dans le four à cuire avec les frites? Est-ce que t'as fait les frites pour ce midi? Non, pas de frites. Ah, il n'y a pas de frites. Parce que bon, il faut savoir que ma grand-mère est la spécialiste des frites partout en France et dans le monde entier. J'ai jamais mangé des aussi bonnes frites que là-bas. Il faut le savoir. C'est la petite anecdote. Jérémy est là jusqu'à 4 heures, c'est pas pour moi. Oui, alors j'aimerais que vous parliez un petit peu moins, que vous chantiez un petit peu plus. Mais voilà. Leçon de choses, tu viens de voilà. Parler, leçon de choses. Voilà. C'est très bien. Mais il faut qu'on les découvre aussi, hein. On les connaît pas. On vous embrasse bien tous les trois. Merci. Merci beaucoup. Mémé. À bientôt. On vous embrasse. Bisous. Et nous avons aussi Anne-Marie sur l'autre ligne. Bonjour Anne-Marie. Oui, bonjour Julia. Non, c'est ma maman, ça. Là, on est passé devant chez elle ce matin pour venir. Eh oui. Alors, bonjour à tous les trois. Bonjour Anne-Marie. On s'arrête en passant.
Ah, ben si tu veux. On a klaxonné, t'as pas entendu tout à l'heure? Ouais. Ah, c'est vrai, non, j'ai pas entendu. Eh ben voilà. Oh. Que ta montagne est belle. Arrête-toi pour boire l'apéro, en fait. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que je vais faire comme mamie. Moi, je vais dire chanter un peu plus. D'accord. Bon, ben après, Jérémy Borlo. Voilà. J'ai hâte de parler. Bien, tout ça, je connais quand même. Alors, oui, mais un peu plus. T'inquiète pas, j'ai bien pris le message tout à l'heure. Il y aura une chanson pour ton anniversaire, pas de problème. Ah, d'accord. Ok. C'est joyeux Noël. Gros bisous à vous trois et continuez comme ça. Merci beaucoup. Merci. C'est beau la jeunesse. Merci. Non, c'est beau. Merci. Allez, bisous. Au revoir Anne-Marie. On continue avec Aline. Oh la sœur. On a dit pas la famille, et ben ça y va. Bonjour Aline. Oh, bonjour tout le monde. Hello you. Bonjour Aline. Ça va ma Mimi? Oui, ça va et toi? Bonjour les garçons. Bonsoir. Bonsoir. Bon, votre premier passage radio est d'enfer. C'est vrai. C'est vrai? Oui. T'as pas vu les images encore? Avant, il met d'ailleurs les images. C'est difficile à la radio. Hein. Qu'est-ce que tu dis? C'est un peu difficile de vous voir en image à la radio. Exactement. Oui. Faut s'imaginer. On est en train d'enregistrer la vidéo là en fait. À noter qu'il y aura une vidéo. Hein. Ah super. Tout est filmé. Alors par contre, ce sera filmé qu'une heure sur les deux. Voilà. Ça suffira. C'est bien. Ça suffira. D'accord. Bon Aline, une petite anecdote sur ta sœur là. Non. Oui. Non. Je peux pas. Non. Si, merci. Non. Allez, personne nous entend là. Allez, vas-y. Non. On est entre nous, Aline. J'ai peur qu'elle en sorte aussi. Voilà, elle a tout compris. Dommage, tant pis. On aurait essayé. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses, de continuer comme ça, de faire plein d'autres radios. Et de faire plein d'autres concerts pour nous en mettre encore plein les oreilles. Merci beaucoup. Merci Aline. Moult bisous, gros bisous. Gros bisous, mamie. Et tu passes à la maison tout à l'heure? Bien sûr. Et je m'en vais, je pense, avec le train de 18. Stop. On passe à la maison avant. Si vous avez des messages personnels. À bientôt. Bisous. Merci Aline. Au revoir. Au revoir. Et on va continuer, Patricia. Oui, on va continuer. Quels sont vos projets? Est-ce que vous avez des projets? Là, on calcule pas, donc. Est-ce qu'on s'achète une chèvre? Les projets entre les projets café gourmand, continuer, continuer ce qu'on fait tant que nos disponibilités, nous le permettent et que tant qu'on se tape pas encore dessus, que on nous demande et que notre agenda personnel de chaque le permet. C'est vrai que c'est la donnée qui est la plus difficile. C'est quoi là, ils sont tous les deux à Paris la semaine pour répéter tout ça. C'est vraiment compliqué. Donc c'est vrai qu'on peut pas, enchaîner les concerts et les prestations. C'est vrai que c'est super difficile par rapport à ça. Voilà, juste l'avantage, Sébastien, lui a les vacances scolaires. Moi, je les ai aussi, mais pour la suite, on verra ce que ça va donner parce que. T'es une star. Non, voilà. Mylène va sûrement être une star, donc du coup, nous après, une fois qu'elle sera une star, elle va nous laisser comme des vieilles on chaussettes. On s'appellera les deux cafés mendiants. Non, voilà, pour le moment, on peut se voir les étés, on passe tous nos étés ensemble, mais peut-être qu'après, ce sera plus compliqué pour qu'on puisse se voir. Mais bon, tant que ça marche, on se pose pas de questions et on fonce. Quoi. Bon, impeccable. Quelqu'un en ligne, non, standard? La mamie on arrive, attends, on peut pas être partout. On peut être partout, hein. Le standard express. Alors Julien, la houppette, là, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, nous avons quelqu'un au standard, Lydia. D'abord, un petit message d'abord. Alors, des petits messages. C'est Daniel, mamie ninja. Elle aimerait bien entendre la cabane au fond du jardin. Non, chaque fois elle veut la cabane. À tous les trois, et moi je la en fais d'encore plus. D'accord, elle est gentille. Merci Daniel, bisous. Bisous, chérie. Maman aussi. Alors, faire des stats avec les trois cafés gourmands. C'est Manon. Faire des stats. Ah ouais. Je sais qui c'est. C'est le top. Jérémy comprendra. Oui. Continuez comme ça. Ça met du soleil en Corrèze. Bisous, Manon de Pompadour. Salut Manon, bisous. D'autres messages, Lydia? Non, c'est tout la pharmacienne. Oui. C'était son rancœur de hier soir. pas du tout. Ça, c'est messages sur Facebook. Vous pouvez encore y aller. kaolin.matinaldimanche. Ou sinon, au standard, comme l'a fait Clarisse, je crois. Bonjour, Clarisse. Non, c'est pas Clarisse. C'est comment? Allô? Allô? Elle va se présenter. Allô? Ah, y a personne. Allô? Ah, si. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Maryse. Ah oui, Maryse. Mais la sœur jumelle. Salut les loulous. Salut Maryse. Salut Mimi. Vous allez bien? Oui, et toi? Oui, très bien. Tu veux dire un chuchard de côté? Continuez comme ça, vous êtes super. Merci. On a du mal quand même à vous entendre. Aïe.
Voilà, mais parlez pas trop, chantez. Oui, on fait ça, Arrêtez d'appeler. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. D'accord. Gros bisous. Nous aussi, bisous Maryse. Allez, à plus, bisous. À plus. Alors, on va repartir avec la chanson. Ouais. Oui. Hein. Allez, Mylène qui s'y colle. Ouais, je m'y colle, alors je... C'est parti, tu t'excuses pas. Je m'excuse pas. De toute façon, quand on fait quelque chose qu'on l'assume, allez, ça chante, passe toujours. Allez, chante, on hein. de parler. Allez, allez, on chante. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, ils se reculent et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne et nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un à l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et traînés par la foule qui s'élance, qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacent et s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie éclaboussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans les rires des autres et je crie de douleur, de fureur, de rage et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance, qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Merci. Voilà, elle s'excuse d'être magnifiquement belle oui. au niveau de sa chanson. Bravo Mylène. On enchaîne avec une autre. Ah ouais. Allez. Bah, du coup, on est plus près du tout. Allez, allez. Oh, bah, c'est bon. Oh, du soleil. Ouais. C'est parti. Un truc mou. Hein. Je suis resté qu'un enfant qui aurait grandi trop vite dans un monde en super plastique. Je retrouvais maman qui me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je veux du soleil dans ma mémoire. Je veux du soleil. Je veux du soleil. Je veux du soleil. Je veux du soleil. Et un, deux, trois, quatre. Je veux traverser des océans, devenir Monte Cristo. Au clair de lune, on m'échappait la citadelle. Je veux devenir roi des marécages. Je veux sortir de ma cage. Un Père Noël pour Cendrillon sans escarpins. Je veux du soleil. 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 Je veux faire danser maman au son clair des grillons. Je veux retrouver mon sourire d'enfant perdu dans le tourbillon. Dans le tourbillon de la vie qui fait que l'on oublie. Qu'on est resté des mômes bien au fond de nos abris. Je veux du soleil. 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 Rien que du soleil. Je suis resté qu'un enfant qu'aurait grandi trop vite dans un monde en super plastique. Je veux retrouver maman qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je veux du soleil dans ma mémoire. Je veux du soleil. 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 Pa-ya-pa-pa-pa-ya-ya-pa-pa-pa-pa-ya-pa-pa-pa-pa-ya-pa-pa-pa-pa-ya-p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 a-
ya pa 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 ya 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 pa 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 ya ya pa 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 ya 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 pa pa. Je veux du soleil. Les trois cafés gourmands sont avec nous ce matin, Jérémy, Mylène et Sébastien. Ne bougez pas, on les retrouve juste après le flash. Il est 11h. La matinale week-end avec Patricia et Julien. C'est la famille. Y'a du monde à Saint-Hilier, we are in the place tonight. Lucas Dédé, Fatal Bazooka. Spécial. Menstruation douloureuse, Pitbull de Flipper. Pardon. Et oui, les trois cafés gourmands sont avec nous. Dernière partie, il est presque midi. Les 2h30 sont vite passées en fait. La matinée d'ailleurs part en live spécial. Trois cafés gourmands, merci à vous d'avoir répondu présent. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci à vous. Et Patricia, je pense que tu seras d'accord avec moi, vivement qu'ils reviennent. Oui. Donc merci à vous d'avoir répondu c'est présent. Merci, à bientôt. On revient vraiment, vous nous appelez quand vous voulez, on revient. On a passé un super plaisir. Merci vraiment à tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Voilà, tous les messages. Je crois que sans eux, il y a des fois, on aurait peut-être arrêter un petit peu. Alors je peux vous dire que c'est ce matin on a fait la plus grosse audience. Ouais, c'est vrai. C'est grâce à vous. On est champions. Alors vous pouvez revenir quand vous voulez. Ok, il n'y a pas de souci. Attention donc, par contre à ce que vous nous dites. Petite parce promo, que... s'il y a des gens qui veulent connaître un peu ce qu'on fait sur la page Facebook, donc pareil, 3 cafés gourmands. Vous pouvez aller sur la matinale aussi de Kaolin, il y a les liens, il y a tout ce qu'il faut. Toute l'émission donc en son, c'est ça Julien, si je ne me trompe pas. Vidéo, son, il y aura de tout. Voilà, donc des photos aussi. Oui, super, génial. Et puis, de toute façon, nous faut pas hésiter, on fera passer le numéro de téléphone. Voilà. Ah oui. Donc si vous voulez on fait les animations concerts, marché de pays, voilà, si vous voulez si vous avez besoin d'un pour petit pour des mariages sympathique, pour l'église voilà, tout ça. Donc, ouais, peut-être pas exagéré. Mais si, moi j'ai déjà fait monsieur. Voilà. Toi on ne demande pas de chanter dans une église mais moi on m'a dit bistouquette dans l'église, ça va pas passer. Eh bien, il y a des gens qui ont peut-être de l'humour. Est-ce que vous connaissez notre slogan de fin ? Non. Ah mince, on va se faire taper sur les doigts. Mais on peut chanter, s'il faut. On va se quitter là-dessus. Oui. On vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine à tous, à dimanche prochain. À dimanche prochain, Patricia. Soyez dimanche sage. Prochain, Lindia. Oui. Et d'ici là, soyez sages. Mais pas trop. Au revoir. Si vous connaissez celle-là. Au revoir. La matinale week-end avec Patricia et Julien. Kaolin FM aime les nouveaux talents. We'll be right back.
jours, c'est 3 cafés gourmands sur Kaolin FM. Fais ta chaudière un peu, c'est nul là comme t'as fait. Un truc un peu chaudière. Ouais, oui, chaudière. Tu fais bonjour. C'est 3 cafés gourmands. Bonjour, c'est 3 cafés gourmands sur Kaolin FM pour vous réveiller en douceur. Ah. Regardez ça.